en société, sous question formation et CEP. Évidemment, il y a un cas accusé un petit peu, pas accusé, mais dit l'État n'a pas sérieux. Parce que c'est un conseil électoral permanent qui a tout le temps pour le démonter. Depuis le gouvernement qui fait tout le mandat, depuis ce gouvernement Préval, première version, depuis ce gouvernement président Aristide, depuis le gouvernement maintenant président Préval, deuxième version, président Martelly, etc. Parce que là, le Parlement était bien constitué. On a décidé maintenant les pouvoirs, j'ai la constitution amendée pour faire le conseil électoral permanent. Mais ceci n'a pas été fait. On était dans le cas concret. Dans le cas concret, c'est que l'élection peut être faite. Chaque année, chaque cour, il vient faire un mandat, que ce soit le mandat des collectivités territoriales, magistrats, casés, que ce soit maintenant députés ou sénateurs, l'élection n'est pas réalisée à temps. Et de tout ce conseil électoral provisoire qu'on gagne, par exemple, le conseil électoral permanent. Donc, où ils vont là, côté 50e législature a fini, et mandat magistrat est fini. Tout. Donc, il faut reconstituer le personnel politique pour qu'il y ait légitimité. Légitimité d'après la loi pour fonctionner, pour pas de facto. Il faut mettre un magistrat yo, légitimité autour, avec autonomie yo, pour gérer la commune. Or, là, qui ça pour sortir ces élections? Nous ne sommes pas d'accord avec l'agent intérimaire que le président a nommé. Donc, il faut que tu aies une élection pour renouveler et toute collectivité locale, territoriale. Là, yo. Nous ne sommes pas d'accord avec. Ce n'est pas de bon cœur qu'on a gardé. Qui a pris un décret. Non, il faut que la législature soit là, 51e soit là, pour ces lois qui ont fait tout simplement. Bon, nous n'en cas ça. Alors, le président met pour un nouveau personnel politique, l'exécutif passe l'élection pour faire. Et tout le monde est d'accord, que ce soit au niveau national, que ce soit international, c'est ça. Et le composant national à tout, il n'est pas tout à fait d'accord, nous n'avons pas été dans l'équilibre démocratique là pour faire ça. Il fait appel à l'article 289, Constitution. Côté. Il a parlé qui gens pour former le conseil électoral. Pas oublier la constitution même, il dit que, l'article en barre la constitution est d'application stricte. C'est-à-dire que au pas qu'à changer, au pas qu'à m'amonter sur des sales dias, c'est ça pour exécuter. Or, l'article 249 là, il a parlé qui gens pour le conseil électoral provisoire à composer. Il a dit au représentant de l'exécutif. Or, l'exécutif n'a pas nommé au représentant. Il y a un représentant de la conférence épiscopale. Or, l'église catholique et les cultes réformés ne sont pas nommés. Ils ne sont pas nommés. Il y a une université. L'université n'est pas voyée. Les syndicats ne sont pas voyés. C'est quatre grandes institutions, quatre grandes composantes. Tout le monde qui a comme ça, l'église, parle d'un côté laïcité, c'est-à-dire pour un pied. Je parle au côté nous-mêmes en Haïti, dans le pays qu'on a Haïti. L'église, il y a là dans l'empile. Que ce soit catholique, que ce soit protestant, il va vous représenter. Donc, c'est une grande institution, côté une grande partie de la société, c'est-à-dire qui n'a pas senti, qui n'a pas vous représentant. Si vous regardez maintenant l'université, l'université, dès pour jeunes maintenant, c'est flambeau, c'est symboliser la jeunesse. Et tout le monde connaît que près de 60% de la population a 40 ans, c'est la jeunesse qui l'a. Donc, l'université n'a pas vous représentant. Syndicat, tout corps de métier, tout corps professionnel, il y a un constituant, syndicat constituant reconnaître ça, ou il n'y a pas de représentant. Donc, on voit que il y a un bagage qui n'a pas marché. Il y a un bagage qui n'a pas marché, effectivement. Donc, ça veut dire que respect strict de l'application de la constitution, pas jeune. Donc, il y a une formule. Mais ça, plus drôle là, c'est le mandat. Mandat, maintenant, c'est organiser un référendum pour une nouvelle constitution. Sénat de la République a sorti une note pour dire son bagage qui demande sagesse. Parce que son gros engagement sur 20, 30, 40, 50 ans. Et société a ses constituantes. Bon, on a fait un petit amendement seulement. Mais on parle de une nouvelle constitution. Donc, il est difficile maintenant pour un monde qui est au pouvoir, seulement le président exécutif, prendre décision pour faire une nouvelle constitution. Okay? C'est ça qu'on demande sagesse, sérénité, patriotisme pour permettre que tout le monde puisse participer dans la nouvelle constitution. Mais ça n'empêche pas l'exécutif de le proposer. On doit critiquer le gouvernement ou on ne doit pas d'accord. Parce qu'en constitution, l'offre une nouvelle constitution en amont, il faut offrir une assemblée constituante pour faire. Un, ça doit ou faire pour gérer. Mais deuxièmement, il faut le voter tout. Il faut le voter en aval. À deux, on doit faire une nouvelle constitution, la population n'a pas voté. Les boudels.
en aval. Donc ça signifie que maintenant, il faut aller plus sagesse, plus sérénité avant de faire permettre toute population, toute société, toute couche en société à participer pour connaître ces bagailles qui parlent régie société. Société pour fonctionnement, société maintenant pour avenir, société maintenant pour réorganisation dans toute partie gagnée pour chercher bien-être citoyen. Donc c'est ça nous disons, madame. Deuxième partie, c'est élection. Élection, je dis qu'on s'est organisé des élections locales, législatives et présidentielles. Donc on a un problème avec composition. Donc le fait que CEP ça n'a pas quoi sermenter, c'est-à-dire que il parle devant le pouvoir judiciaire. Et parce qu'après, c'est dans un, il y a quelqu'un qui a même du jurisprudence même qui est là-dedans. Je pense que c'est une position, une pause qui gagne. Un, pour permettre l'institution, pas de voyer représentants, parler avec eux, dialoguer avec eux, pour intégrer maintenant le conseil là. Deuxièmement, parler avec l'autre instance là, pour nous qui j'aime harmoniser le rôle là, avec l'opposition et avec ces institutions. Parce que, si on fait la condition ça, élection, sans entente, sans consensus, et n'a même pas le d'un consensus majeur par rapport à la crise, ça n'a pas le même. Déjà, conseil électoral là, Jean Fromet a contesté. Un. Deuxièmement, on parle de dépenser l'argent là-dedans. On parle de l'argent peuple a gaspillé. Parce qu'on contestait, même conseil. Deux. Troisièmement, monde qui parle sur ces élections, ça, que ce soit magistrat, casette, avec députés, sénateurs, ils ne peuvent pas contester tout. Donc, cette crise ne peut pas continuer toujours. Au lieu de arriver dans ça, vaut mieux qu'on cherche une entente. Il y a des gens qui disent accord. Accord là, ok, comme ce n'est pas moi qui ai inventé, je ne vais pas dire accord là. Mais une entente entre les différents secteurs, l'opposition, l'exécutif, tout le monde. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on cherche? C'est un pays pour marcher pour le bien-être du citoyen. Que l'opposition, que l'exécutif, que notre parti a. Donc, on a cherché à entendre ça pour le bien commun, pour le bien-être de la République. Même c'est ça qu'on a souhaité. Mais quand l'autre parti encore international, international, avec deux positions. Par exemple, les Américains, ils disent pour organiser l'élection législative pour l'équilibre des pouvoirs. Ça, c'est clair. Nous-mêmes, nous disons tout, nous d'accord. Il faut qu'on ait une nouvelle législative députée et sénateur. Et c'est ça qui va empêcher le président de continuer à prendre des décrets au besoin. Grand deuxième nuance qui sortit avec nous, c'est les Nations Unies, qui dit tout, non accord politique. Pierre-François Sidor, il y a un pile, parler en pile, en la société haïtienne, depuis le président Jovenel Moïse prend décision, va investir, va installer un conseil électoral provisoire, il dit c'est d'une façon unilatérale. Il y a un monde qui dit qu'il faut que tu aies un dialogue. Qui débouchait avec un compromis politique pour entreprendre une telle démarche. Il dit qu'il n'y a pas qu'à faire l'élection, bonne parole en pile, ou même qu'il prenne tout ce en tant que président du Sénat haïtien, des internationales. Ben, c'est vrai que, merci pour la question, c'est une question que ça m'a dit, ce n'est pas moi-même seulement, parce que je peux parler au nom du Sénat de la République, parce que le sénateur a été réuni et pour aborder question ça, question KIP. Il y a un malaise dans la société sous question formation et CEP. Évidemment, il y a des cas accusés un petit peu, pas accusés, mais dit l'État n'a pas sérieux. Parce que c'est un conseil électoral permanent et grand tout le temps pour le démonter. Depuis un gouvernement qui fait tout le mandat, depuis ce gouvernement Préval, première version. Depuis ce gouvernement président Aristide, depuis le gouvernement maintenant président Préval, deuxième version, président Martelly, etc. Parce que là, le Parlement était bien constitué. On a décidé maintenant les pouvoirs, la Constitution a amendé pour faire conseil électoral permanent. Mais ceci n'a pas été fait. On était dans le cas concret. Le cas concret, c'est que l'élection a été faite. Et chaque année, chaque cour, il y a fait un mandat, que ce soit le mandat des collectivités territoriales. Magistrat, Kazek, que ce soit maintenant député ou sénateur, élection pas réalisée à temps. Et de tout ce conseil électoral provisoire qu'on gagne, par exemple, conseil électoral permanent. Donc, où ils vont là, côté 50e législature a fini, et mandat magistrat est fini. Tout. Donc, il faut reconstituer le personnel politique pour qu'il y ait légitimité. Légitimité, d'après la loi, pour fonctionner, pour pas de facto. Il faut mettre un magistrat. Légitimité autour, avec autonomie pour gérer la commune. Or, là, qui ça pour sortir ces élections?
Nous pas d'accord avec agent intérimaire que le président nommé. Donc il faut que tu aies une élection pour renouveler et toute collectivité locale territoriale là-haut. Nous pas d'accord avec c'est pas de bon cœur qu'on a gardé qu'il a pris un décret. Non, il faut que la législature là, tu es là, 51e là, tu es là, pour ces lois qui ont fait tout simplement. Bon, nous n'en cas ça. Alors, le président met pour renouveler le personnel politique, l'exécutif passe l'élection pour faire. Et tout le monde est d'accord, que ce soit au niveau national, que ce soit international, c'est ça. Et le composant national à tout, il n'est pas tout à fait d'accord, nous n'avons pas été dans l'équilibre démocratique là pour faire ça. Il fait appel à l'article 289, Constitution. Côté, il parle qui gens pour former le conseil électoral. Pas oublier, la Constitution même, il dit que, l'article en barre à la Constitution est d'application stricte. C'est-à-dire que au pas qu'à changer, au pas qu'à m'amonter sur des salles d'IA, c'est ça pour exécuter. Or, l'article 289, là, il parle qui gens pour le conseil électoral provisoire composé. Il dit au représentant de l'exécutif. Or, l'exécutif n'a pas nommé un représentant. Il dit au représentant de la conférence épiscopale. Or, l'église catholique et le culte réformé n'ont pas nommé un monde. Ils n'ont pas nommé un monde. Il dit université. Université n'a pas voyé un monde. Les syndicats, ils n'ont pas voyé le monde. C'est quatre grandes institutions, quatre grandes composantes. Tout le monde qui a connu ça, l'église, je parle d'un côté laïcité, c'est-à-dire pour un pied. Je parle au côté nous-mêmes en Haïti, dans le pays qu'on a Haïti, l'église, je crois, là, dans l'empile, que ce soit catholique, que ce soit protestant, et pas pour représenter. Donc, c'est une grande institution, côté une grande partie de la société, c'est-à-dire qui n'a pas senti, qui n'a pas voulu représenter. Si vous regardez maintenant, l'université. L'université, dépôt jeune maintenant, c'est flambeau, c'est symboliser la jeunesse. Et tout le monde connaît que près de 60% de la population a 40 ans, c'est la jeunesse qui est là. Donc l'université n'a pas beau représentant. Syndic